Mashé Pricey TV. Pas accepter arrestation arbitraire, ça. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, de nos jours, lorsque vous avez besoin d'arrêter un monde qui a un domicile connu, eh bien, vous avez besoin pour faire. Lorsque maintenant son sénateur qui est élu m'a profité pour me saluer, sénateur Guy Philippe, qui est élu, m'a salué, sénateur Sorel Jacin, qui est élu, eh bien, deux messieurs Sarou, ils ont un domicile connu. Donc, je ne pas croire que c'est un fracas, c'est un tout bruit ça, tout échafouer ça, pour être capable d'arrêter Guy. Moi, je dis, moi, pas accepter, c'est un mauvais précédent pour le pays et pour tout le monde. Moi, Fred Chéron, Frédéric Chéron, candidat malheureux aux élections du 20 novembre. Moi, perdu, m'accepter que je perdu. Ce qui veut dire, laisser la démocratie à une chance. Si que gagne un système politique ou si gagne des implications internationales, eh bien, ce n'est pas comme ça que vous faites. Pays à son pays que lié. Il faut que vous fassiez un autre champ. Et moi, je dis, Philippe, prends courage, Kotoya, et nous tous, nous d'ailleurs. Comme ancien parlementaire, il est vrai que Guy Philippe est pouvoir pour qu'on valide, mais il y appartenait encore. Est-ce que vous pensez que le Parlement n'a pas été indifférent par rapport à ça? Je ne crois pas que le Parlement soit arrêté indifférent. Moi, je crois que le Parlement est fait pour le prononcer parce que, d'après ça que vous me donnez, il y a une ampliation là même. D'après ça que vous me donnez, que non, il est déjà dans le journal officiel de Moniteur. Donc, moi, je ne crois pas que le Parlement est capable d'être indifférent. Cependant, je m'avais dit, pas craser, pas briser juridiquement en nous mener une bataille, parce que ce n'est pas Guy Philippe seulement qui concerné là. C'est presque tout le monde qui concerné là. On a vu le cas du sénateur du Sud-Est. Baronin, si nous sommes dit, je ne vais pas faire une particularité. Mais cependant, situation tellement grave, il faut qu'on dise. On a vu le cas du sénateur du Sud-Est, Fourel Célestin. Donc, bagage ça, maintenant, côté que nous y a, dans la démocratie, ça, un président nouvellement élu, avec cette majorité écrasante, avec une fin d'année de paix, Jean-Claude Saut passé à là, nous pas quoi, que Kounye là, à la veille de la validation et des pouvoirs de ces messieurs, à la veille de l'Assemblée nationale, pour nous capables de passer dans l'autre étape, pas quoi que c'est ça ou au tabac. Parce que Jean-Claude, le député Norzeus, qui a été mon collègue, sous des bons bagages, comme ça, eh bien, où tu es capable de faire des choses en vent. Moi, je considère ça comme une traîtrise, une trahison à la nation. Et moi, je crois que c'est tout le monde qui pour bail, dimension ça gagne pour bail, pour que l'eau relaxe Guy Philippe. Et s'il gagne une charge contre lui, maintenant, il y a traduit par devant la justice, suivant les normes traduites par la Constitution. Moi, c'est ce que je pense en tant que député de la 47e législature et en tant que candidat indépendant aux élections du 20 novembre, candidat malheureux qui salue tous mes adversaires qui gagnent. Et je tout profiter pour adresser un salut à toute population grandissante, pas faiblie en nous, continuer la bataille. Parce que c'est dans la démocratie que nous y est, il faut que nous vivions dans la démocratie.
Voilà, merci beaucoup, Frédéric Chéron, député de la 47e législature. 45e législature, député de Pestel, Beaumont. Vous connaissez Philippe bien? Oui, je connais bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est ça, nous avons recevoir un peu les réactions à la suite de ça qui passait, arrestation Guy Philippe, candidat et en fait sénateur élu pour la Grand'Anse. N'après Guy Philippe, fin sorti dans le conseil électoral provisoire, il vient participer à l'émission Haïti Débat dans Scoop FM et à sa sortie de la radio. Et agent BLTSO procédé à arrestation. Donc, pour le moment, nous va connaître qui direction, et il prend avec, Guy Philippe, sénateur élu. Mais, faut dire arrestation ça, je le fait là, il vraiment la gros panique, dans toute maison radio, et employé a couru par-ci par-là, et même, il y a là qui tentait, peut-être mieux, pour sauver Poyo, parce que tu as une grosse détonation. Et tu as tout, donc, des employés qui ont pointé sous eux. C'est une situation qui. Il y a des employés qui ont la mort. Ils ont la mort dans la mesure où. Et Balio passe tout près. Donc, c'était une situation de grande panique, panique généralisée. N'a toujours insisté pour nous dire, que ce soit mon capteur de nous ici, que ce soit mon capteur de nous à l'étranger, que pas gagné monde qui mourit, pas gagné employé qui mourit, pas gagné employé tout qui blessé. Nous sommes sains et saufs, le pas besoin de trop, et lamenter eux, mais psychologiquement, nous ce qui s'est passé, il a affecté grandement, et non seulement Maison Radio, mais tout élément qui fait partie de Maison Radio et ses environs, et ses environs, parce que business dans un ordre, obligé de faire un portio, et situation vraiment, les gros impacts psychologiques terribles. Sur tout le monde et ça fait deuxième fois et Mano et que Gentil nous tendait devant Radio Scoop FM. Et deux fois ça arrive, c'est toujours après de qu'a dit qu'il y a avec une activité électorale. De première fois c'est après Gary Fin relayer information qui était disponible sur site KIPA. Maintenant deuxième fois c'est le un candidat élu, de qu'a dit un sénateur élu vient prendre parole dans Scoop FM. Nous capables de dire sans invitation. Radio Scoop FM toujours ouvert pour tout le monde. Ou son autorité, ou vient prendre la parole. Et c'est à ce moment-là, M. Fin quitte Radio A, et puis il arrive devant, et puis il procède à arrestation Guy Philippe devant Radio A. Et c'est ça qu'a fait l'information qu'on a sur Radio et Télévision dans la capitale, là, Charles de Gaulle. Parking dans XA Market. Benz Placide. Mais deux monsieur, yo, parce que mon mouvement qui a fait devant Radio en pile, monde, et puis moi quitté dans la machine, pour m'a couru à regarder parce qu'on est un journaliste bête qui est très tenace. Donc l'aimer arrivé, moi ouais c'est accolade qui a bail. Et puis dans un moment accolade, yo, Manuel, et puis il y a un accolade qui bail, et puis accolade la vienne paraître suspect, et puis il y a tout mettez main là sous Guy Philippe parce que nan nèg qui t'a barre la dio gen on lot qui paraît c'est n'tap tan nou mon cher gen longtemps nou pa wè nou et puis on sait la colade là et puis tout mes noté monsieur et nèg BLTS avec Ebri qui était là monsieur commencé tirer cartouche kounya yon manière parce que dans la guerre les ou tire avec un adversaire les ou déploie plus cartouche sous lit. C'est replier la replier. Puis là, il dit tout le monde couché. Puis il tout le monde couché. Puis là, il continue à tirer. Quand il y a un moment arrivé dans le carrefour, on est capable de dire devant barrière pour rentrer, il y a un agent qui dit couché. Il y a un autre qui dit courir. Je dis, monsieur, finalement, qui ça va me faire? Et puis, il n'y a pas même répondu. Il y a commencé à tirer. Il y a dit même, il y a un balle qui passe tout près de la tête. Parce que. Et
bah là ça t'est vraiment dramatique mais nous faut à vivre donc pas de échange de tir pas d'échange c'est n'est qu'à tirer à terre toute carte tu sais m'entendais selon la police à terre oui à terre il a tiré à terre et puis il a tiré en l'air donc les cartouches ont tiré qui bondit à hauteur d'homme non ils ont pas tiré à hauteur d'homme ils ont mis des bouzames à terre ils ont tiré et puis cartouche a bondi après ça ils ont tiré en l'air maintenant balle qui passe en l'air on t'a dit qu'une balle qui tirait tout peut-être parce que et gagné un bouzame et qui pas plus que 9 cm à espace bon oreille moi et ça fait un pile bruit et d'un pile détonation entendez et suite après moi courir moi entrer dans couloir et radio et puis là me camper dans couloir dit bon ça passe à la bombe pour petit souffle et puis pendant m'a prend souffle gagné un agent BLTS qui campe pe qui pointait encore sur moi il dit ou même où va rentrer kounya l'aime courir et moi passer pas derrière dans marche là et puis les mal regardé pas derrière moi deux autres employés qui en difficulté yo t'ai obligé courir et sauter au mur kounya m'obligé ba yo main pour remonter donc voilà c'est sa situation hein. Et nous t'as capable dit détonation ça yo prend environ 5 à 10 minutes parce que yo t'ai tiré en pile et jusqu'à ce que yo arrivé à aller avec Guy Philippe. Donc dans le moment on a parlé là, c'est agent qui fait partie Boyd. Brigade opération intervention départementale avec 2-3 policiers. Non, ça veut dire ouais, peut-être Guy Philippe dans machine la police yo allait. Ah, effectivement, yo allé avec communauté monsieur et tout monsieur qui était avec Guy Philippe au même majorité et puis après ça les gagnent là qui dans ce couple là gagnent qui a cherché route pour aller à la caillou pour quoi. Donc c'est comme ça. Situation en passé et je vous dis devant Scoop FM. Donc c'est la grande panique. Ben panique générale mano, imaginez vous même qui était dehors qui t'a pas entré dans la radio même gens avec moi vous t'attendez des piles détonation ça. Imaginez vous même qui fait gros maladie pour t'attendre tout bricat tout ça on est cap couille dans tête cap dou sous pas couille a tiro sous pas couille a tiro en de ça qui sort à faire et finalement m'té choisi courir entrer dans la radio. Bon c'est comme ça et nous même nous celle ça nous pas ta souhaiter parce que Jean-Carri saute diline pas ta souhaiter pour personne moun al ba interprétation avec ça qui passé à parce que et même nous même tout nous censé manquer victime et nous souhaiter pour calme capable tourner dans zone parce que et market qui en face nous hein côté nous habitué parking là il est enfermé il est obligé fermer parce que tout le monde est sous panique dans moment et ça passé devant Scoop FM. Bon situation très et compliquée donc nous gagnons ensemble avec nous tous Hudson Saint-Fleur t'es là dans la radio hein, pendant détonation ça et qui gens au vivent et situation ça. Bon faut que nous dit que c'est une situation de grande tension que nous vivons après-midi à la dans Scoop FM en pile monde émotionné et ceci avec raison. Et moi-même, moi, t'étendais, sénateur Guy Philippe avec sénateur Sorel Jacinthe là, t'es dans l'émission. Bon, pendant quelques minutes, t'étendais ce sénateur Jacinthe qui t'avait élaboré, même des impressions que Guy Philippe, t'es toujours dans le studio, bien que t'es annoncé que le président Patia t'a balbutiant, t'es obligé de déplacer. Bon, moi-même, à l'instant que t'as parlé, on pas te connaît que t'es déplacé. Mais l'homme dans des séries d'étonations, hein? Donc premier et réflexe ou bien première idée qui passait dans la tête, moi je me dis je viens prendre Guy Philippe. Parce que je pensais que ZAM que je t'attendais, détonation que je t'attendais, je pensais que c'était des hommes armés qui investissent la radio. Hein? Même pas penser que c'est de la police. Je pensais que c'est des ennemis politiques. De Guy Philippe qui t'est investi espace radio parce que de côté nous t'es dans la salle des nouvelles là nous pas de vu sur ça qui t'a passé et devant radio donc tout journaliste qui t'est dans la salle des nouvelles là tout le monde t'a cherché un côté pour mettre koyo et mon a couru dans toute direction mais en fait compte pas de gagner direction pour que mon te prend moi ouais des journalistes qui prend des risques pour sauter de mur avec des barbelés parce que sous le coup de l'émotion parce que pas qu'on est si mon yo capturé si c'est pas en radio a vini
Yo par contre qui ça y a vinn fait, yo par contre qui ça qu'a passé par la suite. Donc c'était vraiment en situation de sauve qui peut. Donc tout journaliste t'a essayé mettre croyon en côté et Jean-Ronaldo Diane ouais de monde de journalistes qui obligé de descendre hein, pas qu'à dire descendre mais qui traversait des murs, qui gantait aller caille des voisins là, à la mettre croyon à l'abri parce qu'il pas de connait effectivement qui ça t'a pas passé et par la suite. Ah ouais, bon, on a dû stopper l'émission parce que pendant que Sorel Jacinthe a élaboré et puis nous avons des détonations, et Charles de Gaulle et lui-même rapidement était campé l'émission, hein, malgré nous t'ai quitté micro, c'est-à-dire monde qui tape des radios attendait des détonations parce que micro était ouvert et Gary Pierre-Paul Charles était là sorti, il a regardé ça qui a passé, donc c'était vraiment La grande panique parce oui, que c'était gros détonation oui, ça de par contre qui ça qu'a passé est-ce que c'est des individus qui viennent envahir et espace scope FM non donc et ça a duré des minutes hein vous avez l'impression c'est une éternité justement ça vend de très 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 longues minutes où tu as l'impression c'est une éternité et ou pas qu'on est effectivement qui ça gagne est-ce que monde qui blessé est-ce que monde qui mourit pendant un dedans ou pas qu'on est qui ça t'a passé ou pas qu'on est si la police qui a tiré oui mais le plus grave encore pas qu'on est si c'est pas des groupes armés qui t'investissent la police ou a dit bon la police est identifiée etc etc mais si c'est des groupes armés qui entrent ou t'es quand entrer ou faire n'importe bagarre après ça yo viré de aller et Dieu merci n'ont pas enregistré des pertes nous pas enregistré du côté de la radio de blessés, mais nous gagnons des journalistes qui sous les chocs parce que non seulement et agent PNH qui vient au point des armes mais gagnent précieux tiré et sous tête yo gagnent intimider l'ordre pour déplacer vraiment et c'est une situation de grande panique vraiment de grande panique et qui affectait et nous capables dit pour des jours pour des semaines encore les journalistes de Scoop FM et de Scoop TV. On a avec nous l'ancien député Ronald Etienne, actuel député, député Ronald Etienne, député Pestel, député Ronald Etienne et comment on même on vit situation on est ensemble avec Guy Philippe. Oui, me donne la radio là. Je suis un sénateur. Et qui était dans une interview avec Gary et l'autre collègue Léo. En fait, quand nous étions obligés de pas participer dans toute émission, parce que nous avons des réunions avec le consortium là, pour nous Alchita, brasser l'idée. En fait, quand nous sortis, à peine sortis de l'Eura, sans par contre, nous avons monté machine moi-même. Et deux machines m'ont éteint, qui vient vite fumer, m'a pas assisté tout ça qu'a fait. M'a assisté yon barbarie. Des mounte qui a mouru là parce que c'est des tirs de tout partout avec des armes automatiques. Ils ont intervenu, ils ont arrêté un sénateur de la République. Un sénateur qui est élu tout le monde comme ça. Scoop! Mais moniteur non même. Certificat non mail et l'ipoil normalement recevoir validation de pouvoir et rapidement c'est dans procédure ça a été là et tout d'un coup nous voyons que nous avons arrêté sénateur la police de Game Boy du CPJ. Et juste en fait, avant, député, excusez-nous parce que on est inondé d'appels, n'a pas dit tout le monde cap bon, de préférence, si t'as mieux, pour autant dire radio. Ouais, donc, nous allons reprendre l'intervention que force de l'audio des agents de différentes unités de la police BRTS, qui viennent là, qui débarquaient, qui partaient avec sénateur Guy Philippe. Mais Dieu merci, pas gagné monde, pas gagné journaliste qui blessé, pas gagné journaliste qui mourit non plus. Dans le cadre événement ça qui passait jeudi à la radio Scoop FM. Donc tout le monde qui a pris les de préférence, tant des radios. Donc nous pas besoin inonder tout téléphone yo, avec appel parce que c'est très très difficile pour nous répondre à tout le monde. Allez, c'est député. Député, voilà les tiens. En fait, ça, moi là, je me disais de la plus pure barbarie. C'est pas arrêté qu'on a compté, mais qu'on est arrivé. Et sous François Duvalier, côté sans question, qu'un support légal, comprendre que une force de police, nous a dit asservie, une force de police asservie à une entité, par contre, qui est devenue qu'arrêter un sénateur élu. Le peuple de la Grédence fait choisir Guy Philippe
en bas l'appui, Guy Philippe Sotap dit là, moun yo voté, moun yo grand goût, moun yo al voté, et puis comme ça, pour yo traiter le sénateur élu pour la grandeur. Nous passons toute grandeur ce temps-là, attendez, à coûter exactement le choix que vous faites de sénateur Guy Philippe pour te permettre que voyons sortir en d'un pays ya, sans raison aucune, en sortant de un interview et à Radio Scoop, et que la police intervenue sauvagement et arrêté sénateur. En fait, compte, on pensait que situation ça, c'est une situation qui était appelée la conscience de tout le monde là, toute classe politique là, toute organisation de société civile, tout le monde qui en un pays ça qui est concerné par demi Haïti, dans l'État haïtien est là, pour des actes barbares qu'on s'est fait. Pour une institution policière comme ça, pour voir qui ça s'est asservi par des gens qui cachaient, par des. Fuck la police nationale, fuck DCPJ, fuck Bri et Boyd qui divine la dîne, pour qui est-ce que travail? Est-ce que c'est pour pouvez ici? Est-ce que c'est pour pouvez pas ici? Est-ce que c'est pour pouvez pas ici? Qu'a payé la taxe? Non, ou même qui t'a pas assisté. Filme événement, partagez-le avec nous. Filme événement, c'est quoi? C'est aussi simple que ma. Pendant tout tiré ça, ou chita. Racontez-le. Il y a même une machine avec le sénateur, c'est un DDM, il est devant, il est entré dans la machine là, il est en fait place pour lui, pour le cachita. Et c'est à ce moment-là que nous entendons des tirs nourris d'armes automatiques. Côté sécurité, rapidement, sécurité sénateur, ils ont pris au dépourvu. Ils n'ont pas de nombreux. Ils ont pris au dépourvu. Et rapidement, que les gens maîtrisaient le sénateur. Et puis, ils ont rentré dans la machine de la police. Ils sont allés avec elle. Sans aucun mandat, sans rien, à ne rien comprendre. Parce que moi, je me suis dit, dans quel pays, est-ce que nous sommes pays, dans quel pays nous vivons là, est-ce que nous avons quitté la situation ça y passé, comme l'être mort à la poste, est-ce que nous avons levé campé, pour dire que bagay ça y est, doit suspendre. Le Sénat de la République, nous pensons que nous attendons. La Chambre des députés, nous pensons que nous attendons. Je vais parler à quoi ça va aller à la passer. Qui fait que les organisations des droits humains, bon yo, mauvais yo, vous entendez ça qui a passé. Vous pensez que bon moment privé, bah là, c'est pas pour nous l'allier seulement. C'est pour toute société. 7.7 FM stéréo. Président Gérard-Pierre Charles, dans OPL, tu as toujours dit ça, bon limite ou rivé. Car pas pour seulement, car c'est pour toute société. Si société avait football, on tout, que le bat dit rien. Mais si société a voulu avancer plus devant, pensez que tout le monde doit dire, tout le monde doit prendre position, tout le monde doit dire, on va y aller ça, et demander des libérations, sénateur Guy Philippe, immédiatement, pour la prendre place au Sénat de la République. Donc, ça surprend nous en pile, député Ronald Etienne. Arrestation, ça, et ou pas gagner aucune explication ou qu'à bail, hein, à façon arrestation, en fait. Jusqu'à présent, pas gagner aucune explication. Et que c'est Negio qui fait zac arbitraire ça, qui vous bail explication à ça que vous faites là. Sénateur élu de la République, comment pour Negio? Sans manière aucune, pour Negio, vienne intervenir, arrêter un sénateur de la République. Ça, son réflexion pour nous tout fait. Vous comprenez? Son réflexion pour nous tout fait, pour chercher qu'on est le pourquoi de bagaille. Pour qui ça? Faut qu'on allemand démonio, mais pour qui ça? Mais est-ce que vous êtes présent, les Guy Philippe, pour le certificat dans le KIPA? Oui. Ça veut dire une sortie dans le KIPA, puis une passée, une remercier. Population, donc il a arrêté là tout certificat en main. Certificat nous là,
Certificat là. Parce que il va certificat. Ok. Certificat là. Et moniteur là. Toute pièce liée là. Donc, négliger, libération, pressé. Oui, exactement. Je m'en dis rapidement pour que toute institution d'Abeïsa, qui voulait que le pays arrive loin, prenne position et m'en dis libération avec Guy Philippe immédiatement. Immédiatement, parce que c'est un bagage arbitraire, groupe Yet qui fait, sans mandat, sans aucun échange. Si vous avez un échange, moi, peut-être c'était capable, peut-être une invitation. Tu n'as pas de quel échange entre la police et lui-même. Tu n'as pas l'air, tu n'as pas gagné. Et ça, c'est un bagage, on m'a dit, qui est impensable. Parce que je pensais que le bagage, ça, t'es qu'à faire, ça, t'es qu'à faire encore. Je pensais que j'étais libre de circuler. Moi, je n'ai pas fait un complot sur moi. Je n'ai pas fait un complot, je n'ai pas fait la nuit. Mais comme ça, hein? Comme ça, Manu Militari, c'est pas possible. Mais maintenant, parce que ma sépalée, ma séformulation, ma réaction, peuple là, organisation et droit mounio, public, il y a une folle prendre position par rapport au membre qui est amputé, la Chambre des députés, et normalement, deux prendre position. Voilà. Merci beaucoup, et député Ronald Etienne. On a appelé député Ronald Etienne, c'est début de chemin d'étonation, c'est pour un bail qui fait dans le calme. Et l'Enda dit tirer ça, même j'ai l'impression, est-ce que c'est échange qui gagne entre la police avec agent sécurité et Guy Philippio? Donc, l'on a peut-être dit tirer comme ça d'étonation, hein, mais sans arrêt. C'est donc, seulement ça, la police qui t'a tiré. Justement, c'est selon, et ça témoin expliqué, nous, c'est seulement la police qui t'a tiré, en pile, vraiment, en pile tir aux alentours de la radio, Scope FM. Donc, employé, yo vraiment sous le choc. En pile, là, d'ailleurs, il t'a tenté pour voler mur, aller dans l'autre caille. Situation vraiment extrêmement et compliquée et difficile. Donc, mais ça n'a pas dit mounio, c'est que pas gagné blessé. Bon côté journaliste, pas gagné, pas gagné blessé, pas gagné monde qui mourit. Donc, tir ça, c'est des tirs en l'air. Et que pas gagné victime qui recensé après et détonation ça qui fait devant building Scope FM, la maison des radios, à la suite ou pendant arrestation Guy Philippe, n'a pas vu Guy Philippe, t'es fait sauter dans le conseil électoral provisoire, t'es sauté recevoir certificat et l'y passer dans Radio Scope FM pour remercier un peuple grandissant qui bat le mandat, au mandat. Il faut préciser, Emmanuel, Guy Philippe débarqué dans la radio, c'est pendant la frappe. Justement. Et puis, au monde qui était dans le studio, ouvert pour travailler, puis Gary Ware, Guy Philippe, et puis campé émission, sans invitation, campé émission, même gens, sans invitation. Tout monsieur, il tape des radios, et non seulement ça, tout était dans la zone, et qui est le monde qui part dans le studio? Radio, dans rue Villat, et puis, conseil électoral, dans rue Archer, tout près, donc, une fois où sorti l'autre bois, venu, et émission, et tout passé, donc, c'est même bagarre, là, sur la jacette, lui-même qui, en fait, t'as participé dans l'émission en tout fait. Donc, Guy Philippe nous rappelait l'agent BLTSO procédé à arrestation. Justement, est-ce que nous gagnons GPPC Patrick Nozéus, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Scope FM. Député Patrick Nozéus, vous attendez information et la police a arrêté Guy Philippe. C'est qu'ils ont au même mot. Et comprendre l'arrestation ça. Bon, choc là autant grand que ça coûte émission, ça coûte intervention sénateur Guy Philippe, ça coûte intervention sénateur Sorel Jacinthe, et que moi je trouve que ça passe assez au véritable scandale, et je suis capable même de me comparer là en forme de kidnapping. Alors on parle en forme de kidnapping pour qui ça? La police a eu l'État dans l'État. Si vous avez un citoyen, un candidat depuis presque 3 ans,
gen un décret électoral qui bail condition pour moun contester, pour refuser candidature, etc. Donc, li passe tout processus, yo. Li suivi, CV, bail résultat, il gagne, yo publié dans moniteur. Est-ce que la police li bureau que c'est tel, est-ce que le bureau que président de la République qui publié non dans moniteur? Parce que pour moun à l'inscrit dans le Sénat, faut non, tu es sorti dans le moniteur. Faut que tu es sorti dans le résultat. Est-ce que l'institution dans l'État, ça va, la police ne reconnaître, pas reconnaître valeur. Donc, et puis, à partir de qui document? C'est-à-dire que si tu as un document juridique, effectivement, document ça a été empêché, tu dois être Philippe candidat. Le document ça a été doué au moment opportun, mais lorsque le citoyen ça a devant toute instance dans l'État, jusqu'à ce qu'il arrive le sénateur, et puis qu'on principe ça, le principe de la souveraineté. La souveraineté nationale, je dis que le peuple a exprimé directement à travers les élections. C'est-à-dire que l'élection président, député, sénateur et tout l'autre monde qui va dans le poste électif, c'est ça la souveraineté nationale. Lorsque on fractionne population, on département qui sort dans la rue, qui vote au monde, c'est une portion de la souveraineté nationale que l'exprimer. Donc, ou pas qu'une institution de l'État pour pas respecter ça. Donc, moi, je pense que Bagayo fait Ali, c'est un véritable scandale. Moi, je parle avec le président Chambre, non? Je pense que le Parlement doit rapidement réagir. C'est-à-dire le Sénat de la République, la Chambre des députés, doit rapidement réagir. Et il faut que dans la situation, ça allait, tout l'autre corps dans l'État, le président, le premier ministre, CSPJ, il faut que la question ça dans le plus bref délai, parce que si un président publie ou non moniteur, et puis vous-même pour la police, pour venir devant la station de radio, à tirer coup de zam. Et c'est d'ailleurs, est-ce que la police a le droit à agir comme ça dans le pays? Là, les zams tirer sur le monde, par contre, qui a des problèmes cardiaques, est-ce que la police a le droit dans la rue à tirer comme ça devant la radio, devant la station de radio? Donc, moi, je pense que l'État doit mobiliser à partir de l'après-midi. Hein. La chambre, moi-même, à la présidente, le président dit, au contraire, l'absent du président Larèche, que rapidement, il prend les dispositions qui s'imposent, ou que type de scandale, ça, de mascarade, ça, que nous allons réveiller. Parce que la population n'est pas capable de supporter le monde. Pour les sons-fils, il faut publier nos auditeurs, et puis c'est leur savoir, dire, soi-disant, par contre, c'est mandat, nous sommes des grands mondes, alors que vous avez 3 ans pour appliquer, ou bien 3 ans. Pour que ça va te voir dans le conseil électoral, pour que le conseil électoral a bloqué la candidature de Philippe, ou tu ne vas pas publier le résultat. Donc c'est vraiment scandaleux. Scandaleux. Et je crois que l'État doit réagir, le Parlement doit réagir dans le plus bref délai. Et question ça va corriger. Et puis là, moi-même, je n'ai pas dénoncé tout. Moi, je sens à travers ça que fait tout, peut-être une tentative pour boycotter l'Assemblée nationale le 19 janvier. Il vient de voir, c'est pas du côté du président. Notre premier ministre, non. Mm-hmm. Mais il faut que vous interrogez la police, parce qu'on a des gens qui agissent, etc. Est-ce que vous avez caché derrière vous pour empêcher que l'Assemblée nationale le dise en fait? Parce que si vous connaissez immédiatement vos problèmes, le sénateur qui inscrit au sénateur élu, qui vient inscrit dans le Sénat. Vous n'êtes là, vous prenez l'eau arrêté, vous connaissez que lundi qu'on l'Assemblée nationale. Vous créez crise, vous allez créer crise dans le niveau Sénat, le ça, lundi, l'Assemblée nationale n'a pas fait. Donc, moi, je pense que c'est le plus rapidement possible que dès ce soir et demain matin, il faut que le Parlement réagisse énergiquement pour que le fait de l'autre instance dans l'État prenne responsabilité pour corriger l'État. Voilà. Merci beaucoup, Patrick, député Patrick Nancy. Et d'accord, merci, je préfère. Voilà, et député mm-hmm. Patrick Nauseus, hein, qui estime quand même ça passé à l'igrave, extrêmement grave. Mais clairement que il n'est pas dans ses conditions. Ouais, donc, il faut que le Parlement ait à prononcer cette situation. Hein. Et tu veux parler d'un boycottage qui t'a fait pousser et qui t'a. D'accord, dit l'Assemblée, pour ça que fait son tentative pour boycotter l'Assemblée nationale, qui prévoit lundi, quand va venir là. Lundi 9. Oui, 9. 9, quand va venir là. Voilà, donc, auditeurs Scoop FM, nous sommes à la maison, hein, dans la maison de la radio, nous vivons. En dépit des tirs nourris que nous tendaient, et c'est la police qui t'a tiré, pas de gain échange, et pas de gain monde qui baissait.
pas gagné ni monde qui mourit tout, que ce soit journaliste, que ce soit des monde qui étaient aux alentours de la radio, et pas gagné de victimes qui enregistrées au sein tout le monde qui était dans l'entourage radio, dans rue Villatte, Pétionville, à la suite de l'arrestation Guy Philippe, et candidat, donc c'est sénateur, hein, sénateur élu. Pour la grandeur, après elle finit, saute recevoir certificat dans le conseil électoral provisoire. Donc, il était venu dans ESCO. Et tout de suite après, elle saute participer dans l'émission et agent BLTSO arrêté lui sans condition. Et c'est ça que fait, nous t'étendons tout tir nourrissaro aux abords de Scoop FM. Aux abords de Scoop FM, hein, la maison de la radio, c'était la grande panique, journaliste vraiment choqué. Pas de monde mourir, mais tout le monde sous choc, choc terrible. Il y a même des journalistes qui font tentative pour courir et voler les murs. Pour qu'on comprenne qu'ils ont une situation difficile. Et la police a pointé sous, couché. Donc, c'est le même journaliste qui racontait Gombal qui passait à quelques centimètres de tête libre. Donc, c'est des situations qui sont extrêmement compliquées que personne ne peut pas aimer vivre. Donc, nous capables de comprendre qui j'en saillais. Mais une chose certaine, c'est que pas de monde qui mourit, pas de monde qui est blessé à la suite de ça qui passé. Après l'arrestation Guy Philippe, sénateur élu pour la grandeur, après Guy Philippe était avec des agents de sécurité, il n'y a pas tellement pile, il était accompagné de député Ronald Etienne. Oui, Ronald Etienne, député PCLA, ensemble avec tout, président consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph, il tout est accompagné Guy Philippe. Et pendant il y a tap sorti dans la joie et il y a tout témoin de arrestation Guy Philippe. Et Sorel Jacinthe était présent dans le studio. Sorel Jacinthe était présent. Oui, élu même département pour la grandance, justement. Ben, Mounio a pris les en pile. Nous dit Mounio, il n'y a pas besoin de radio. Tant des radios. C'est sûr que nous ne pouvons pas répondre à volume à appel que nous. Jean nous explique là, et pas de monde qui mourit, pas de monde qui blessé. Nous au courant de information. Hein. Donc, tir, détonation, ça on entendait assez, et la police et agent BLTS qui est arrêté Guy Philippe à la suite de sa participation à l'émission Haïti Débat. Émission ça, assurément, la police attendait Guy Philippe et tout de suite il sortit, la police a arrêté lui et sans explication selon sa témoin, mon qui t'a gardé, il a pris le ballon clé coup, il a mis l'hôtel et puis il a mis dans la machine et donc il est allé ensemble avec lui. Parking dans Extra Market. Et puis pendant qu'on a sorti, c'était moi-même et Nixon Joachim avec Pierre Benz Placide. Mais deux messieurs, parce que mon mouvement qui a fait devant radio en pile monde, et puis moi quitté dans la machine qu'on a couru à regarder parce qu'on est journaliste bête qui très tenace. Donc l'aimer arrivé, moi ouais c'est accolade que bail. Et puis dans un moment accolade yo Manuel et puis il y a un accolade qui bail et puis accolade la vienne paraître suspect et puis il y a tout mettre main là sous Guy Philippe parce que dans nèg qui t'a bail accolade yo gain on l'autre qui paraît c'est date dans mon cher gain longtemps nous parler nous et puis on sait l'accolade là et puis tout mes noté monsieur et nèg BLTS avec Ebri qui était là. Monsieur, commencez à tirer cartouche qu'on y a eu manière parce que dans la guerre, les ou tirer avec un adversaire, les ou déployer plus cartouches sous lui, c'est replier la replier. Puis là, il dit tout le monde couché. Puis il tout le monde couché, puis là, il continue à tirer. Qu'on y a même arrivé dans le corps fou, on est capable de dire devant barrière pour rentrer. Il y a un agent qui dit couché. Il y a un autre qui dit courir. Je me disais, monsieur, finalement, qui ça vous fait? Et puis, je n'ai pas même répondu, je n'ai commencé à tirer. Je me disais, je même, j'ai un balle qui passait tout près de la tête. Parce que,
bah là t'es ça t'es vraiment dramatique mais nous faut ta vivre donc pas de gain échange t'es nég cap tiré à terre tout cas tu sais entendre selon la police oui à terre il a tiré à terre et puis il a tiré en l'air donc les cartouches ont tiré qui bondi à hauteur d'homme non ils ont pas tiré à hauteur d'homme ils ont mis des bouzam à terre ont tiré et puis cartouche a bondi après ça ils ont tiré en l'air mais non balle qui passe en l'air on t'a dit qu'une balle qui tire tout peut-être parce que et gagner un bouzam qui pas plus que 9 cm à espace bon oreille et ça fait un pile bruit et d'un pile détonation entendez et suite après moi courir moi entrer dans couloir et radio et puis là me camper dans couloir dit bon ça passe à la bombe pour petit souffle et puis pendant m'a prend souffle gagner un agent BLTS qui camp qui pointait encore sous moi, il dit ou même où va rentrer. Quand il a couru et moi passé pas derrière dans marche là, et puis les mal gardé pas derrière moi, deux autres employés qui en difficulté, ils étaient obligés de courir et sauter au mur. Quand il a obligé pour monter. Donc voilà, c'est sa situation. Hein. Et nous sommes capables de dire détonation, ça prend environ 5 à 10 minutes. Parce que les gens ont tiré en pile et jusqu'à ce que ils arrivent à aller avec Guy Philippe. Donc, dans le moment où on a parlé là, c'est agent qui fait partie Brigade d'opération intervention départementale avec 2-3 policiers. Non, ça veut dire où est Guy Philippe dans la machine de la police, il est là. Bah, effectivement, il est allé avec Guy Philippe. Monsieur. Et tout monsieur qui était avec Guy Philippe, il est même majorité. Et puis après ça, il y a gagné là, qui dans ce couple-là, gagné, qui a cherché route pour aller à la caillou, pourquoi il est là. Donc, c'est comme ça. Situation en passé, et je l'ai aujourd'hui à devant Scoop FM. Donc, c'est la grande panique. Ben, panique générale, Mano. Imaginez vous-même qui était dehors, qui t'a pas entré dans la radio, même genre avec moi, vous t'attendez pile détonation, ça. Imaginez vous-même qui fait gros maladie, pour t'attendez tout bric à tout ça, on est cap couille dans tête ou cap doux. Sous pas couille à petit haut, sous pas couille à petit haut, en deux ça qui sont à faire, et finalement, de choisi couille entrer dans la radio. Bon, c'est comme ça. Et nous-mêmes, celle ça nous pas ta souhaité. Parce que Jean-Garry et Sot pas ta souhaité pour personne moun alba interprétation avec ça qui passait à parce que. Et même nous, même tout, nous censés manquer victime et nous souhaiter pour calme, capable de tourner dans la zone parce que, et market qui est en face nous, où t'es non habitué parking, non, les guettes enfermées, ils sont obligés de fermer parce que tout le monde est sous panique. Dans le moment, ça a passé devant Scoop FF. Bon, situation très et compliquée, donc nous gagnons ensemble avec notre Hitson Saint-Fleur. T'es là dans la radio hein, pendant la détonation ça et qui gens où vivent et situation ça. Bon, faut que nous dit que c'est une situation de grande tension que nous vivons après-midi à la dans Scoop FM. En pile monde est émotionné et ceci avec raison. Et moi-même, moi, t'étendais, sénateur Guy Philippe avec sénateur Sorel Jacinthe là, t'es dans l'émission. Hein. Bon, pendant quelques minutes, t'étendais ce sénateur Jacinthe qui t'avait élaboré, même t'étendais l'impression que Guy Philippe, t'es toujours dans le studio, hein, bien que t'es annoncé que le président Patia t'a balbutié, t'es obligé de déplacer. Bon, moi-même, à l'instant que t'as parlé, je ne pas te connaître que t'es déplacé. Mais l'homme dans des séries d'étonations, hein? Donc premier et réflexe ou bien première idée qui passait dans la tête, moi je me dis, je viens prendre Guy Philippe. Parce que je pensais que ZAM, que je t'attendais, aux détonations que je t'attendais, je pensais que c'était des hommes armés qui investissent la radio. Hein? Même pas penser que c'est de la police. Je pensais que c'est des ennemis politiques. De Guy Philippe qui t'est investi espace radio parce que de côté nous t'es dans la salle des nouvelles là nous pas de bon vu sur ça qui t'a passé et devant radio donc tout journaliste qui t'est dans la salle des nouvelles là tout le monde t'a cherché un côté pour mettre koyo et mon a couru dans toute direction mais en fin de compte pas de gagner direction pour que mon te prend moi ouais du journaliste qui prend des risques pour sauter de mur avec des barbelés parce que sous le coup de l'émotion parce que pas qu'on est si mon yo capturé si c'est pas en radio a vini
Il y a par contre qui ça y a vienne faire, il y a par contre qui ça qui a passé par la suite. Donc c'était vraiment en situation de sauve qui peut. Donc tout journaliste t'a essayé mettre croyons en côté et Jean-Ronald Sodiane ouais du monde de journalistes qui est obligé de descendre hein pas car du descendre mais qui traversait des murs qui quand à l'écaille des voisins là à la mettre croyons à l'abri parce qu'il y a pas de connaître effectivement qui ça qui t'a pas passé et par la suite. Ah ouais, bon, on a dû stopper l'émission parce que pendant que Sorel Jacinthe a élaboré et puis nous t'a dit des détonations et Charles de Gaulle et lui-même rapidement était campé émission hein, malgré nous t'ai quitté micro, c'est-à-dire monde qui tapait des radios attendait détonations parce que micro était ouvert et Gary Pierre-Paul Charles était là sorti, il a regardé ça qui a passé donc c'était vraiment la grande panique parce oui, que c'était gros la détonation oui, ça nous par contre qui ça a passé est-ce que c'est de l'individu qui vient envahir et espace scope FM. Donc et ça a duré des minutes hein, où j'ai l'impression c'est une éternité justement. Ça vraiment de très 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 longues minutes où j'ai l'impression c'est une éternité et où pas qu'on est effectivement qui ça gagne est-ce que gagne monde qui blessé est-ce que gagne monde qui mourit pendant un dedans ou pas qu'on est qui ça t'a passé ça dehors. Passé. Ou pas qu'on est si la police qui a tiré. Oui, mais le plus grave encore pas qu'on est si c'est pas des groupes armés qui t'investissent. La police ou qui a dit bon, la police est identifiée etc., etc. Mais si c'est des groupes armés qui entrent, ou t'es qu'à rentrer, ou faire n'importe bagarre, après ça, yo, viré de eux, allez. Et Dieu merci, n'ont pas enregistré, et des pertes en vie humaine, n'ont pas enregistré du blessé. Côté de la radio des blessés, mais nous gagnons des journalistes, qui sous les chocs. Oui, qui sous les chocs, parce que non seulement, et agent PNHO qui vient au point des âmes, mais gagné, gagné précieux tiré et sous tête, gagné intimidé de l'ordre pour yo déplacer vraiment. Et c'est une situation de grande panique, vraiment, de grande panique, et qui affectait, et nous capables de dire pour des jours, pour des semaines encore, les journalistes de Scoop FM et de Scoop. On a avec nous l'ancien député Ronald Etienne. Actuel député, au député Ronald Etienne, député Pestel, député Ronald Etienne, et comment on même on vit situation, on tient ensemble avec Guy Philippe. Oui, je suis dans la radio là, je suis un sénateur, et qui était dans une interview avec Gary et l'autre collègue Léo. En fait, quand nous étions obligés de participer dans toute émission, parce que nous avons des réunions avec le consort de Chomlin pour nous acheter à brasser l'idée. En fait, quand nous sommes sortis, à peine sortis de l'Eura, sans par contre, j'ai monté machine moi-même. Et deux machines étant, qui ont vite fumé, m'a pas assisté tout ça qu'a fait. M'a assisté une barbarie. Des gens qui mourir là parce que c'est des tirs de tout partout avec des armes automatiques. Ils ont intervenu et ont arrêté un sénateur de la République. Un sénateur qui est élu, tout le monde comme ça. Scoop! Mais moniteur non même, certificat non même, et l'Ipoil normalement recevoir validation de pouvoir et rapidement, c'est une procédure, ça a une délai là. Et tout d'un coup, nous voyons que nous avons arrêté le sénateur, la police de Game Boy du CPJ. Et juste avant, député, excusez-nous, parce qu'on est inondé d'appels, on a demandé tout le monde cap Rileo. Bon, de préférence, si tu as mieux, que tu entends radio. Nous avons repris l'intervention que force de l'audio des agents de différentes unités de la police BLTS, qui viennent là, qui débarquaient, qui partaient avec le sénateur Guy Philippe. Mais Dieu merci, pas gagné monde, pas gagné journaliste qui blessé, pas gagné journaliste qui mourit non plus. Dans le cadre événement ça qui passait jeudi à dans Radio Scoop FM. Donc tout le monde qui a pris de préférence tant des radios, donc nous pas besoin inonder tout téléphone yo avec appel parce que c'est très très difficile pour nous répondre à tout le monde. Allez, c'est le député. Député Bonalité. En fait, ça moi là, je me disais de la plus pure barbarie. C'est la barbarie qu'on a raconté, mais qu'on arrivait. Et sous François Duvalier, côté sans qu'une question, qu'un support légal, comprendre que aux forces de police, on a dit asservi, aux forces de police asservi à une entité m'parconnée, qui est-ce qui est intervenu qu'a arrêté au sénateur élu. Le peuple de la Grenade fait choisir Guy Philippe
en bas la pluie, Guy Philippe Sotap dit là, moun yo votel, moun yo grand goût, moun yo al votel, et puis comme ça, pour yo traiter le sénateur élu par la grandeur. Nous passons toute grandeur sans l'attendre, à coûter exactement le choix que yo fait de sénateur Guy Philippe pour te permettre que voyons sortir en d'un pays ya, sans raison aucune, en sortant de un interview et à Radio Scoop, et que la police est intervenue sauvagement et arrêté sénateur. En fait, compte, je pense que situation ça, c'est une situation qui interpelle la conscience de tout le monde là, toute classe politique là, toute organisation de société civile, tout le monde qui en un pays ça qui est concerné par demain Haïti, dans l'État haïtien est là, pour des actes barbares qu'on s'est fait. Pour une institution policière comme ça, pour vendre qui ça s'est asservi par des gens qui cachaient, par des. Marché Pricey TV. Pas accepter arrestation arbitraire ça. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, de nos jours, lorsque vous besoin d'arrêter un monde qui a un domicile connu, eh bien, vous avez des gens pour faire. Lorsque maintenant son sénateur qui est élu m'a profité pour me saluer, sénateur Guy Philippe, qui est élu, m'a salué, sénateur Sorel Jacin, qui est élu, eh bien, deux messieurs Sarrault, ils ont un domicile connu. Donc, je ne crois pas croire que c'est un fracas, c'est un tout bruit ça, tout échafouré ça, pour être capable d'arrêter Guy. Moi dit, moi pas accepter. C'est un mauvais précédent pour le pays et pour tout le monde. Moi, Fred Chéron, Frédéric Chéron, candidat malheureux aux élections du 20 novembre. Moi perdu. M'accepter comme perdu. Ce qui veut dire laisser pas la démocratie à une chance. Si que gagner un système politique ou si gagner des implications internationales, eh bien, c'est pas comme ça que vous faites. Pays à son pays que lié. Il faut que vous faites un autre champ. Et moi dis que Philippe prend courage. Cotoya et nous tous, nous d'ailleurs. Comme ancien et parlementaire, il est vrai que Guy Philippe est pouvoir pour qu'on valide, mais il y appartenait encore. Est-ce que vous pensez que le Parlement n'a pas indifférent par rapport à ce que je ne crois pas que le Parlement soit arrêté indifférent. Moi, je crois que le Parlement est fait pour le prononcer parce que. D'après ça que m'entendez, il y a eu une pilation là-même. D'après ça que m'entendez, que non, il y a déjà son dans le journal officiel de moniteur. Donc, moi, pas quoi que le Parlement est capable d'être indifférent. Cependant, m'a dit, pas crasé, pas brisé, juridiquement, en nous mener une bataille, parce que c'est pas Guy Philippe seulement qui concerné là. C'est presque tout le monde qui concerné là. On a vu le cas du sénateur du Sud-Est. Baronine, si nous sommes, j'ai dit, ne pas les faire particularité. Mais cependant, situation tellement grave, il faut qu'on dise. On a vu le cas du sénateur du Sud-Est, Fourel Célestin. Donc, bagage ça, maintenant, côté que nous y a, dans la démocratie, ça, un président nouvellement élu, avec cette majorité écrasante, avec une fin d'année de paix, Jean-Claude Sautepassé à la, m'pakoué, que Kounye là, à la veille de la validation et des pouvoirs de ces messieurs, à la veille de l'Assemblée nationale, pour nous capables de passer nos autres étapes, parce que c'est ça ou au tabac. Parce que j'ai entendu le député Norzeus, qui a été mon collègue. Sous tes bons bagages, comme ça, eh bien, où tu es capable de faire un peu de temps en avant. Moi, je considère ça
comme une traîtrise, une trahison à la nation. Et moi, je crois que c'est tout le monde qui pour bail, dimension ça gain pour bail là, pour que yo relaxe Guy Philippe. Et si il y a une charge contre lui, maintenant, il y a traduit par devant la justice, suivant les normes traduites par la Constitution. Moi, c'est ce que je pense, en tant que député de la 47e législature et en tant que candidat indépendant aux élections du 20 novembre, candidat malheureux qui salue tous mes adversaires qui gagnent. Et me tout profiter pour adresser mon salut à toute population grande dans ce pas faibli en nous. Continuer bataille parce que c'est dans la démocratie que nous y est, il faut que nous vivions dans la démocratie. Voilà, merci beaucoup Frédéric Chéron, député de la 47e législature. 45e législature, député de Pestel, Beaumont. Vous connaissez Philippe bien? Oui, je connais bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est ça, nous avons recevoir un peu les réactions hein, à la suite de ça qui passait, hein, arrestation Guy Philippe, candidat et en fait sénateur élu pour la Grand'Anse. Après Guy Philippe, fin de sortie dans le conseil électoral provisoire, il vient participer à l'émission Haïti Débat dans Scoop FM et à sa sortie de la radio. Et agent BLTSO procéder à arrestation. Donc, pour le moment, nous va connaître qui direction, hein, et yo prend avec, Guy Philippe, sénateur élu. Mais, faut dire arrestation ça, Jean le fait là, il vraiment la gros panique, hein, dans toute maison radio, hein, et employé à courir par-ci par-là, et même, il y a là-dedans qui tentait, peut-être mieux, pour sauver Poyo, hein, parce que t'es gagné gros détonation et gagné tout, donc, des employés qui ont pointé sous yo. C'est une situation qui, il y a des employés qui ouaient la mort, ouaient la mort dans la mesure où, et balio passait tout près yo. Donc, c'était une situation de grande panique, panique généralisée. Mais n'a toujours insisté pour nous dire que ce soit mon capteur de nous ici, que ce soit mon capteur de nous à l'étranger, que pas gagné moun qui mourit, pas gagné employé qui mourit, pas gagné employé tout qui blessé. Nous sommes sains et saufs, le pas besoin de trop et lamenter, mais psychologiquement, nous ce qui s'est passé est affecté grandement et non seulement Maison Radio, mais tout élément qui fait partie de Maison Radio et ses environs, hein, et ses environs, parce que business dans un an, obligé de faire un portio, et situation vraiment, les gros impacts psychologiques terribles, hein. Sur tout le monde et ça fait deuxième fois et Mano et que Gentil nous tendait devant Radio Scoop FM. Et deux fois ça a eu, c'est toujours après de qu'a dit qu'il y a avec une activité électorale. De première fois c'est après Gary Fin relayer information qui était disponible sur site KIPA. Maintenant deuxième fois c'est les un candidat élu, de qu'a dit un sénateur élu vient prendre parole dans Scoop FM. Nous sommes capables de dire sans invitation. Radio Scoop FM toujours ouvert pour tout le monde. Ou son autorité, ou vient prendre la parole. Et c'est à ce moment-là, M. Fin quitte Radio A, et puis il arrive devant, et puis il procède à l'arrestation de Guy Philippe devant Radio A. Et c'est ça qu'a fait l'information qu'on a sur radio et télévision dans la capitale, là, Charles de Gaulle. Parking dans XA Market. Benz Placide. Mais deux monsieur, yo, parce que mon mouvement qui a fait devant radio en pile, monde, et puis moi quitté dans la machine, pour m'a couillé à regarder parce qu'on est un journaliste bet, qui est très tenace. Donc, l'aimerait arriver, moi, ouais, c'est accolade qui a bail. Et puis, dans un moment, accolade, yo, Manuel, et.
et puis gagne un accolade qui bat et puis accolade la vienne paraître suspect et puis n'ayez tout mettez main là sous Guy Philippe parce que n'ayez qui t'a bat accolade gagne on le donc employé yo vraiment et sous le choc en pile là dedans gagne t'a tenté pour voler mur aller dans l'autre caille situation vraiment extrêmement vraiment extrêmement et compliquée et difficile donc mais ça n'a dit mounio c'est que pas gagné blessé bon côté journaliste pas gagné pas gagné blessé pas gagné monde qui mourit donc tir ça c'est des tirs en l'air et que pas gagné victime qui recensé après et détonation ça qui fait devant building Scope FM la maison des radios à la suite ou pendant arrestation Guy Philippe n'a pas avec Guy Philippe t'es fin que sorti dans le conseil électoral provisoire il t'es sorti recevoir certificat et il est passé dans Radio Scope FM pour remercier un peuple grandissant qui bat le mandat au mandat et faut préciser Mano, Guy Philippe débarqué dans la radio. C'est pendant la frappée. Et puis, au monde qui était dans le studio a ouvert pour Clapy Gary, ouais, Guy Philippe. Et puis, campé émission, sans invitation, campé émission. Ils ont fait même gens, sans invitation. Tout monsieur, il tapait des radios. Et non seulement ça, tout était dans la zone. Et qui est le monde qui va attendre des émissions? Ils ont radio dans rue Villat, et puis, conseil électoral, dans rue Archer, tout près. Donc, une fois où ce petit autre bois est venu, et émission, et tout passé. Donc, c'est même bagarre là, sur la jacette, lui-même qui, en fait, t'a participé dans l'émission en tout fait. Donc, Guy Philippe, nous rappelait, agent BLTSO procédé à arrestation. Justement, est-ce que nous gagnons, GPPC? Patrick Nozéus, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, sur FM. Député Patrick Nozéus, vous attendez information et la police a arrêté Guy Philippe. C'est qu'ils ont au même mot. Et comprendre, arrestation ça. Bon, choc là autant grand que ça coûte émission. Ça coûte intervention sénateur Guy Philippe, ça coûte intervention sénateur Sorel Jacinthe. Et que moi, je trouve que ça passe assez au véritable scandale. Et je suis capable même de me comparer là en forme de kidnapping. Avant de parler en forme de kidnapping, pour qui ça? La police, pas l'État dans l'État. Si il y a un citoyen, un candidat depuis presque 3 ans, qui a un décret électoral qui a des conditions pour nous contester, pour refuser la candidature, etc. Donc, il passe tout processus, les suivis, CV, les résultats, il y a eu publié dans le moniteur. Est-ce que la police est pire que CEP? Est-ce que le pire que le président de la République qui publie non dans le moniteur? Parce que pour tout le monde à l'esprit dans le Sénat, faut non t'es sorti dans le moniteur, faut que tu es sorti dans le résultat. Est-ce que l'institution dans l'État, ça, la police pas reconnaît Dieu, pas reconnaître la loi? Donc, et puis, à partir de qui document? C'est-à-dire que si tu as un document juridique, effectivement, document ça a été dû empêcher, si tu as un Guy Philippe candidat, document ça a été dû au moment opportun, mais lorsque le citoyen ça a le devant cette instance dans l'État, jusqu'à ce qu'il arrive le sénateur, et puis qu'on principe ça, le principe de la souveraineté nationale, je dis que le peuple a exprimé directement à travers les élections. C'est-à-dire que l'élection président, député, sénateur et tout l'autre monde qui va dans le poste électif, c'est ça la souveraineté nationale. Lorsque on fraction de population, un département qui sort dans la rue, qui vote pour la c'est une portion de la souveraineté nationale que l'exprime. Donc, ou pas comme institution de l'État pour ne pas respecter ça. Donc, moi, je pense que Bagayo Ferali, c'est un véritable scandale. Moi, je suis parlé avec le président Chamna. Je pense que le Parlement doit rapidement réagir. C'est-à-dire le Sénat de la République, la Chambre des députés, doit rapidement réagir. Et il faut que dans la situation, ça aille, tout l'autre corps dans l'État, le président, le premier ministre, CSPJ, il faut que la question s'arrête dans le plus bref délai. Parce que si un président publie un non-moniteur,
Et puis vous-même, pour la police, vous venez devant la station de radio, à tirer coup de zam. Et c'est d'ailleurs, est-ce que la police a le droit à agir comme ça dans le pays? Là, les zams tirent sur le monde, ou pas contre qui a des problèmes cardiaques. Est-ce que la police a le droit, dans la rue, à tirer comme ça devant la radio, devant la station de radio? Donc, moi, je pense que l'État doit mobiliser à partir de l'après-midi. Hein? La chambre, moi-même, pour la présidente, au contraire, l'absent de président Larèche, que rapidement, il prend les dispositions qui s'imposent. Ou que type de scandale, ça, de mascarade, ça, que nous ne pouvons pas réveiller. Parce que la population n'est pas capable de voter. Pour les sons fils faits, ils ont publié dans nos moniteurs, et puis c'est leur savoir dire, soi-disant, par contre, c'est mandat. Alors que vous avez 3 ans pour appliquer, vous avez 3 ans pour que ça va devoir faire ça dans le conseil électoral, pour que le conseil électoral a bloqué la candidature de Philippe, ou du moins pas publier le résultat. Donc c'est vraiment scandaleux. Scandaleux. Et je crois que l'État doit réagir, le Parlement doit réagir dans le plus grand nombre de questions à corriger. Et puis là, moi-même, je n'ai pas vraiment dénoncé tout. Moi, je sens à travers ça que tout peut-être. Une tentative pour boycotter l'Assemblée nationale le 19 janvier. Il ne c'est pas du côté du président, du premier ministre. Non? Mm-hmm. Mais il faut que vous interrogez la police, parce qu'on est monde qui agit, boy, etc. Est-ce que vous avez caché derrière vous pour empêcher que l'Assemblée nationale le dise en fait? Parce que si vous connaissez immédiatement vos problèmes, le sénateur qui vient inscrit au sénateur élu, qui vient inscrit dans le Sénat. Quand il est là, ou arrêtez, ou qu'on est. Ou qu'on est que lundi qu'on Assemblée nationale, ou créer crise, ou va créer crise dans le niveau Sénat, le ça lundi Assemblée nationale n'a pas fait. Donc, moi, je pense que le plus rapidement possible que dès ce soir et demain matin, il faut que le Parlement réagisse énergiquement pour que le fait l'autre instance dans l'État prenne responsabilité et corrige l'État. Voilà. Merci beaucoup, Patrick, député Patrick Nancy. Et d'accord, merci, super. Voilà, et député Patrick Nauseus, hein, qui estimait quand même ça passait à l'igrave, extrêmement grave. Mais clairement que il n'est pas dans ses critères. Ouais, donc, il faut que le Parlement ait à prononcer cette situation. Hein. Donc, et tu veux parler d'un boycottage qui t'a fait pour, et qui t'a. D'assemblée, pour ça fait là son tentative pour boycotter l'Assemblée nationale qui prévoit lundi quand va venir là. Lundi 9. Oui, 9. 9 quand va venir là. Voilà, donc, auditeurs Scoop FM, nous sommes à la maison, hein, dans la maison de la radio, nous vivons, en dépit des tirs nourris que nous tendez, et c'est la police qui t'a tiré, pas de gain échange et pas de gain monde qui baissait. Pas gagné ni monde qui mourit tout, que ce soit journaliste, que ce soit des monde qui étaient aux alentours de la radio, et pas gagné de victimes qui enregistraient au sein tout le monde qui était dans l'entourage radio, dans rue Villatte, Pétionville, à la suite de l'arrestation Guy Philippe, et candidat, donc c'est sénateur, hein, sénateur élu. Pour la grandeur, après elle finit, saute, recevoir un certificat dans le conseil électoral provisoire. Donc, il était venu dans Scoop. Et tout de suite après, elle saute participer dans l'émission et agent BLTSO arrêté lui sans condition. Et c'est ça que fait, on nous t'étendait tout tir nourrissaro aux abords de Scoop FM. Aux abords de Scoop FM, hein, la maison de la radio, hein, c'était la grande panique, journaliste vraiment choqué. Pas de monde mourir, mais tout le monde sous choc, choc terrible. Et même des journalistes qui font tentative pour courir et voler murs, pour qu'ils comprennent qu'ils ont une situation difficile. Et la police a pointé sous, dos couché. Donc, c'est et quand même un journaliste qui racontait une balle qui passait à quelques centimètres de tête libre. Donc, c'est des situations qui sont extrêmement compliquées que personne ne peut jamais vivre. Donc, nous sommes capables de comprendre qui j'en sais. Mais une chose est certaine, c'est que pas de monde qui mourit, pas de monde qui est blessé à la suite de ça qui passait. Je vous dis, après l'arrestation, Guy Philippe, sénateur élu pour la grandeur, après Guy Philippe, était avec des agents de sécurité, il n'y a pas tellement pile, il était
accompagné de député Ronald Etienne. Oui, Ronald Etienne, député PCLA, ensemble avec tout, président consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph, tout est accompagné Guy Philippe. Pendant il y a tap sorti dans la joie et il y a tout témoin de arrestation Guy Philippe. Et Sorel Jacinthe était présent dans ce Sorel Jacinthe était présent. Oui, élu, même département, hein, pour la grandance, justement. Ben, Mounio a pris les empiles, nous dit Mounio, il n'y a pas besoin de radio, radio, et c'est sûr que nous ne pouvons pas répondre à volume à appel que nous. Jean nous explique là, et pas gain moun qui mourit, pas gain moun qui baissé. Nous au courant de information. Hein, donc, tir détonation, ça on entendait assez et la police et agent BLTS qui est arrêté Guy Philippe à la suite de sa participation à l'émission Haïti Débat. Émission ça, assurément la police attendait Guy Philippe et tout de suite il est sorti, la police a arrêté lui et sans explication selon sa témoin, hein, mon qui t'a gardé, il juste prend le ballon clé coup, il a mis et puis il a mis dans la machine et donc il est allé ensemble avec lui. Parking dans Extra Market. Et puis pendant que nous sorti, c'était moi-même et Nixon Joachim avec Pierre Benz Placide. Mais deux monsieur, yo, parce que mon mouvement qui a fait devant radio en pile monde. Et puis moi quitté dans la machine, qu'on a m'a couillé à regarder parce qu'on est un journaliste bête qui est très tenace. Donc l'aimer arrivé, moi ouais c'est accolade comme bail. Et puis dans moment accolade yo, Manuel et puis qu'on accolade qui bail et puis accolade la vienne paraître suspect et puis n'ayo tout mettez main là sous Guy Philippe parce que nan nèg qui t'a bail accolade yo gen on lot qui paraît c'est date dans mon cher gen longtemps nous parler nous et puis on sait la accolade là et puis tout mes noté monsieur et nèg BLTS avec Ebri qui était là. Monsieur, comment c'est tiré cartouche qu'on y a eu manière parce que dans la guerre, les ou tiré avec un adversaire, les ou déploie plus cartouches sous lit, c'est replier la replier. Puis là, il dit tout le monde couché. Puis les tout le monde couché, puis là, il continue à tirer. Qu'on y a eu le rivé dans le corps fou, on est capable de dire devant barrière pour rentrer. Il y a un agent qui dit couché. Il y a un autre qui dit courir. Je dis, monsieur, finalement, qui ça vous fait? Et puis, n'ayez pas même répondu, n'ayez pas commencé à tirer. Je me dis, même, j'ai un balle dans la tête qui passe tout près de votre tête. Parce que, bah là, ça t'est vraiment dramatique, mais là, faut vivre. Donc, pas de gain échange de tir. Pas de gain échange. C'est n'est qu'à tirer à terre. Tout cas, tu sais, m'entendais, selon la police. À terre? Oui, à terre, il y a tiré à terre et puis il y a tiré en l'air. Donc, il y a des cartouches qui tirent qui bondissent. À hauteur d'homme. Bon, non, ils ne pas tirer à hauteur d'homme. Ils mettent des bouts d'âme dans la tête, ils tirent. Et puis, cartouche là bondit. Après ça, ils tirent en l'air. Maintenant, balle qui passe en l'air, on a dit qu'il y a une balle qui tire tout peut-être. Parce que, il y a un bout d'âme qui n'est pas plus que 9 cm à espace. Bonjour, et ça fait un pile bruit et un pile détonation. Et suite après, moi, courir, moi, entrer dans le couloir et radio. Et puis, là, je suis dans le couloir. Je dis, bon, ça passe à la bombe pour tirer. Et puis, pendant que je prends souffle, il y a un agent BLTS qui campait, qui pointait encore sur moi. Il dit, ou même, où va rentrer? Quand je courir, et moi, je passe pas derrière dans la marche là. Et puis, là, je regarde pas derrière moi, deux autres employés qui ont difficulté. Ils étaient obligés de courir et sauter au mur. Qu'on y a obligé pour remonter. Donc voilà, c'est sa situation. Hein. Et nous sommes capables de dire détonation, ça a pris environ 5 à 10 minutes. Parce que les gens ont tiré en pile et jusqu'à ce que ils arrivent à aller avec Guy Philippe. Donc dans le moment où on a parlé là, c'est agent qui fait partie Boyd, Brigade d'opération intervention départementale avec 2-3 policiers.
Non, ça veut dire ouais, peut-être que Philippe, nos machines, la police, il y a lave. Bah, effectivement, il y a allé avec. Communauté, monsieur. Et tout monsieur qui était avec Guy Philippe, il y a même majorité. Et puis après ça, il y a gagné là, qui dans ce couple-là, gagné, qui a cherché route pour aller à la caillou, pourquoi il y a. Donc, c'est comme ça. Situation en passé, et je l'ai joué dire devant Scoop FM. Donc, c'est la grande panique. Ben, panique générale, mano. Imaginez vous-même qui était dehors, qui t'a pas entré dans la radio, même gens avec moi, vous t'apprenez des piles détonation ça. Imaginez vous-même qui fait gros maladie, pour t'attendre tout bricat tout ça, on est cap couille dans tête ou cap dou. Sous pas couille à petit haut, sous pas couille à petit haut, en deux ça qui sont à faire, et finalement, on choisi couille entrer dans la radio. Bon, c'est comme ça. Et nous-mêmes, celle ça nous pas ta souhaité. Parce que Jean-Garry est ce diline pas ta souhaité pour personne moun al ba interprétation avec ça qui passait. Parce que même nous, même tout, nous censés manquer victime et nous souhaiter pour calme, capable de tourner dans la zone. Parce que et market qui en face nous, côté non habitué parking, li est enfermé, il est obligé de fermer parce que tout le monde est sous panique. Non, moment, ça a passé devant Scoop FM. Bon, situation très et compliquée. Donc, nous gagnons ensemble avec nous tous, Hudson Saint-Fleur. T'es là dans la radio pendant des détonations ça et qui gens où vivent et situation ça. Bon, faut que nous dit que c'est une situation de grande tension que nous vivons après-midi à la dans Scoop FM. En pile monde émotionné et ceci avec raison. Et moi-même, moi, t'étendais, sénateur Guy Philippe avec sénateur Sorel Jacinthe là, t'es dans l'émission. Bon, pendant quelques minutes, t'étendais ce sénateur Jacinthe qui t'avait élaboré, même t'es gué impression que Guy Philippe, t'es toujours dans le studio, bien que t'es annoncé que le président Patia t'a balbutiant, t'es obligé de passer. Bon, moi-même, à l'instant que t'a parlé, on pas te connaît que t'es déplacé. Mais l'homme dans des séries d'étonations, hein? Donc premier et réflexe ou bien première idée qui passait dans la tête, moi je me dis que je viens prendre Guy Philippe. Parce que je pensais que les âmes que je t'attendais, les détonations que je t'attendais, je pensais que c'était des hommes armés qui investissent la radio. Même pas penser que c'est de la police. Je pensais que c'est des ennemis politiques. De Guy Philippe qui était investi espace radio parce que de côté nous dans la salle des nouvelles là nous pas de vu sur ça qui t'a passé et devant radio donc tout journaliste qui était dans la salle des nouvelles là tout le monde t'a cherché un côté pour mettre koyo et mon a couru dans toute direction mais en fin de compte pas de gagner direction pour que mon te prend moi ouais des journalistes qui prend des risques pour sauter de mur avec des barbelés parce que sous le coup de l'émotion parce que pas qu'on est si moun yo capturé si c'est pas en dans radio a vini yo par contre qui ça y a vinn faire yo par contre qui ça qu'a passé par la suite donc c'était vraiment en situation de sauve qui peut. Donc, tout journaliste t'a essayé de mettre Koyo en côté. Et Jean-Ronald Sodian, ouais, de monde, de journalistes qui est obligé de descendre, hein, pas qu'à dire descendre, mais qui traversait des murs, qui gantait à l'écaille des voisins là, à la mettre Koyo à l'abri, parce qu'il n'y a pas de connaître effectivement qui ça que t'as pas le passé et par la suite. Ouais, bon, on a dû stopper l'émission parce que. Là, parce que c'est des tirs de tout partout avec des armes automatiques, ils ont intervenu, ils ont arrêté. Un sénateur de la République. Un sénateur qui est élu, tout le monde comme ça. Scoop! Mais moniteur non même, certificat non même, et l'Ipoil, normalement, recevoir validation de pouvoir, et rapidement, c'est dans la procédure, ça a été là, et tout d'un coup, nous voyons que nous avons arrêté le sénateur, la police de Game Boy, du CPJ. Et juste avant, député, excusez-nous, parce que on est inondé d'appels. On a demandé tout le monde cap relayo. Bon, de préférence, si t'as mieux, pour autant des radios. Ouais, donc, nous allons reprendre l'intervention que force de l'audio des agents de différentes unités de la police BRTS, qui viennent là, qui débarquaient, qui partent avec sénateur Guy Philippe. Mais Dieu merci, pas gagné monde, pas gagné journaliste qui blessé, pas gagné journaliste qui mourit non plus. Dans le cadre événement ça qui passait jeudi à dans Radio Scoop FM. Donc tout le monde qui a pris les de préférence, tant des radios,
Donc nous pas besoin inonder tout téléphone yo avec appel parce que là très très difficile pour nous répondre à tout le monde. Allez, c'est député. Député. Oui. Bon, en fait ça moi là, me disait de la plus pure barbarie. C'est barbarité qu'on a raconté mais qu'on arrivait et sous François Duvalier. Côté sans question, qu'un support légal, comprendre que aux forces de police, on a dit asservi, aux forces de police asservies à une entité baronnée, qui est-ce qui est devenu qu'arrêter un sénateur élu. Le peuple de la Grenance fait choisir Guy Philippe. En bas la pluie, Guy Philippe Sotap dit là, mon yo votel, mon yo gringou, mon yo al votel, et puis comme ça, pour yo traiter un sénateur élu. Or la grédance. Nous passons toute grédance dans l'attendez, à coûter exactement que choix que vous faites de sénateur Guy Philippe pour te permettre que voyons sortir en d'un pays ya, sans raison aucune, en sortant de un interview et à Radio Scoop, et que la police intervenue sauvagement et arrêté le sénateur. En fait, compte, nous pensons que. Situation, ça, c'est une situation qui était appelée la conscience de tout le monde là, toute classe politique là, toute organisation de société civile, tout le monde qui en un pays ça qui est concerné par demain Haïti, dans l'État haïtien est là, pour des actes barbares qu'on s'est fait, pour une institution policière comme ça, pour voir qui ça s'est asservi par des gens qui cachaient, par des. Faut que la police nationale, faut que DCPJ, faut que. Bri et Boyd qui divine la dîne, pour qui est-ce que travail? Est-ce que c'est pour pas ici? Est-ce que c'est pour faire ici? Est-ce que c'est pour pas ici? Qu'a payé la taxe? Non, ou même qui t'a pas assisté. Film événement, partagez-le avec nous. Film événement, c'est quoi? C'est aussi simple que ma. Pendant tout tirer ça, ou chita. Racontez-le. Machine avec sénateur me dit, c'est un dans l'EDM, il me dit devant, il est entré dans la machine là, il est en fait place pour lui, pour le cachita. Et c'est à ce moment-là que me tendez des tirs nourris d'armes automatiques. Côté sécurité, rapidement, sécurité sénateur, ils ont pris au dépourvu. Ils n'ont pas de nombreux tout. Ils ont pris au dépourvu. Et rapidement, vous comprenez, que nous avons maîtrisé le sénateur. Et puis, vous rentrez dans la machine de la police. Il y a allé avec elle. Sans aucun mandat. Sans rien. À ne rien comprendre. Parce que moi-même, je me suis dit, dans quel pays, est-ce que nous avons un pays? Dans quel pays nous avons vivre là? Est-ce que nous avons quitté la situation sérieuse? Passé comme l'être mort à la poste. Est-ce que pas bon lever campé pour dire que bagaille ça a dû suspendre le Sénat de la République? Nous pensons que nous attendons. La Chambre des députés, nous pensons que nous attendons. J'ai un balai à quoi ça va la passer. Qui fait que les organisations des droits humains, bon yo, mauvais yo, vous attendez ça qui a passé. Je pense que le moment privé, bah, là, ce n'est pas pour nous l'allier seulement. C'est pour toute société. 7.7 FM stéréo. Songez, président Gérard Pierre Charles, dans OPL, tu as toujours dit ça. Gon limite ou rivé, car pas pour nous seulement. Car c'est pour toute société. Si société avait fait tout, que le bat dit rien. Mais si société voulait avancer plus devant, je pense que tout le monde. Tout le monde doit prendre position. Tout le monde doit dire, on va y aller ça. Et demander délibération, sénateur Guy Philippe, immédiatement, pour la prendre place au Sénat de la République. Donc, ça surprend nous en pile, député Ronald Etienne. Arrestation ça, et ou pas gagner quelle explication ou qu'à bail, hein, à façon arrestation en fait. Jusqu'à présent, pas gagner quelle explication. Et que c'est Negio qui fait Zach arbitraire ça, qui vous donne explication à ça que vous faites là. Sénateur élu de la République, comment pour Negio,
sans manière aucune, pour Negio, vienne intervenir, arrêter un sénateur de la République. Oh, ça, je pense que ça, sans réflexion pour nous, tout fait. Vous voyez, sans réflexion pour nous, dire, pour chercher qu'on est le pourquoi de bagaille. Pour qui ça? Finalement, des mounions, mais pour qui ça? Mais est-ce que vous êtes présent, les Guy Philippe, qui a pris le certificat dans le KIPA? Oui. Oui, oui. Ça veut dire une sortie dans le KIPA, puis une passée, puis une remercier. Population, donc il a arrêté là tout certificat en main. Certificat non là. Ok. Certificat là. Parce que il va pas. Certificat là et moniteur là. Toute pièce liée là. Donc négliger libération pressé pressé. Oui exactement. Moi je dis rapidement pour que toute institution d'Abeïsa, qui voulait que le pays arrive loin, prend position et m'a dit avec Guy Philippe immédiatement. Immédiatement, parce que c'est un bagage arbitraire, gros bonnet qui fait, sans mandat, sans aucun échange. Si vous avez un échange, moi, peut-être que capable. Peut-être une invitation. Tu n'as pas de guerre qu'il y a un échange entre la police et lui-même. Tu n'as pas l'air, tu n'as pas gagné. Et ça, c'est un bagage, on a dit, qui est pensable. Parce que je n'ai pas pensé que le bagage, ça, t'es qu'à fait, ça, t'es qu'à fait encore. Je pensais que j'étais libre de circuler. Moi, si on est qu'à faire complot sur moi, on va dire, on est qu'à faire complot, on va le tirer, on est qu'à la nuit. Mais comme ça, Manu Militari, ce n'est pas possible. Mais maintenant, parce que c'est pas libre, c'est pour nous relâchement. Maintenant, réaction. Peuple là, organisation et droit mounio, public, il y a une folle prend position par rapport au membre qui est amputé. La Chambre des députés, et normalement, deux prend position. Voilà. Merci beaucoup, et député Ronald Etienne. On a appelé député Ronald Etienne, c'est député de détonation, c'est pour moi qui fait dans le calme. Et l'Enda dit ça, même j'ai l'impression, est-ce que c'est échange qui gagne entre la police avec l'agent de sécurité et Guy Philippe, donc l'on a peut-être dit tirer comme ça, détonation, mais sans arrêt. C'est donc seulement ça, la police qui t'a tiré. Justement, c'est selon, et ça témoin expliqué, nous, c'est seulement la police qui t'a tiré. En pile, vraiment, en pile tir aux alentours de la radio. L'autre qui paraît, c'est d'attendre mon cher, et puis on sait la collade là, et puis on tout menoté, monsieur, et avec BLTS avec Ebri qui était là, monsieur, comment c'est tiré cartouche qu'on y a, et manière, parce que dans la guerre, les ou tiré avec un adversaire, les ou déployé plus cartouche sous lit, c'est replier la replier, et puis là, il dit tout le monde couché. Puis les tout le monde couché, puis ils continuent à tirer. Quand ils sont arrivés dans le corps fou, nous sommes capables de dire devant la barrière pour rentrer, il y a un agent qui dit coucher. Il y a un autre qui dit courir. Je me dis, monsieur, finalement, qui ça va me faire? Et puis, ils n'ont pas même répondu, ils ont commencé à tirer. Nous avons dit, même, il y a un balle qui passe tout près de la tête. Parce que. Bah là, t'es. Ça, c'est vraiment dramatique, mais nous, faut vivre. Donc, pas de échange de tir. Pas de échange. C'est n'est qu'à tirer à terre. Tout cartouche, ça m'entendait, selon la police. À terre, oui, à terre, il y a tiré à terre et puis il y a tiré en l'air. Donc, il y a cartouche, il y a tiré qui bondit. À hauteur d'homme. Bon, non, il n'y a pas tiré à hauteur d'homme. Il y a mis des bouzames à terre, il y a tiré et puis cartouche a bondi. Après ça, il y a tiré en l'air. Maintenant, balle qui passe en l'air, on a dit qu'il y a une balle qui tire tout près de terre parce que il y a un bouzame qui. Qui pas plus que 9 cm à espace bon oreille et ça fait un pile bruit et d'un pile détonation entendez et suite après moi couri moi entré dans couloir et radio et puis là me camper dans couloir dit bon ça passe à la bombe pour petit souffle et puis pendant ma prend souffle gagné yon agent BLTS qui campait qui pointait encore sur moi il dit ou même où va rentrer. Quand il a couru et moi passé pas derrière dans marche là et puis les malgardes pas derrière moi deux autres employés qui en difficulté
Yo t'es obligé courir. Et sauter au mur, qu'on y a obligé baïomé pour monter. Donc voilà, c'est sa situation. Hein. Et nous t'as capable de dire, détonation ça y est, prend environ 5 à 10 minutes. Parce que yo t'es tiré en pile et jusqu'à ce que yo arrive à aller avec Guy Philippe. Donc le moment n'a pas parlé là, c'est et agent qui fait partie et Boyd, Boy. Brigade d'opération intervention départementale avec deux trois policiers. Non, ça veut dire où est Guy Philippe dans la machine la police, il y a là. Ah, effectivement, il y a allé avec Guy Philippe. Monsieur, et tout monsieur qui était avec Guy Philippe, il y a même majorité. Et puis après ça, il y a eu là qui dans ce groupe là, qui a cherché route pour y aller à la caillou pour quoi y aller. Donc c'est comme ça. Situation en passé et Julien Jodia devant Scoop FM. Donc c'est la grande panique. Ben, panique générale, Mano. Imaginez ou même qui était dehors, qui t'a pas entré dans la radio, même genre avec moi, vous t'apprenez des piles détonation ça. Imaginez ou même qui fait gros maladie, pour t'attendre tout bric à tout ça, on est cap couille dans tête ou cap dou. Sous pas couille à petit haut, sous pas couille à petit haut, en deux ça qui sont à faire, et finalement, on a choisi couille à entrer dans la radio. Bon, c'est comme ça. Et nous même, nous, celle ça nous pas t'a souhaité. Parce que Jean-Carré et Sotdiline pas t'a souhaité pour personne monde à l'interprétation avec ça qui passait. Parce que même nous, même tout, nous censés manquer victime et nous souhaiter pour calme, capable de donner dans la zone. Parce que et market qui est en face nous, pour nous habituer par qui nous, les guettes enfermés, ils sont obligés de fermer parce que tout le monde est sous panique. Non, moment, ça a passé devant Scoop FM. Bon, situation très et compliquée. Donc, nous gagnons ensemble avec nous tous, Hudson Saint-Fleur. Hudson Saint-Fleur, où tu es là dans la radio hein, pendant détonation ça et qui gens où vivent et situation ça. Bon, faut que nous dit que c'est une situation de grande tension que nous vivons après-midi à la dans Scoop FM. Un pile monde émotionné et ceci avec raison. Et moi-même, moi, t'étendais sénateur Guy Philippe avec sénateur Sorel Jacinthe là, t'es dans l'émission. Bon, pendant quelques minutes, t'étendais ce sénateur Jacinthe qui t'avait élaboré, même t'étendais l'impression que Guy Philippe était toujours dans le studio, bien que t'étendais annoncé. On sait que le président Patia t'a balle pression, il était obligé de déplacer. Bon, moi-même, à l'instant que le parlé, je ne pas connaître que il était déplacé. Mais l'homme dans des séries d'étonation, hein, donc premier et réflexe, ou bien première idée qui passait dans la tête, moi, je me dis, je viens prendre Guy Philippe. Parce que je pensais que ZAM, que je t'attendais, détonation que je t'attendais, je pensais que c'était des hommes armés qui investissent radio, a même pas pensé que c'est de la police. Je pensais que c'est des ennemis politiques de Guy Philippe qui t'ont investi espace radio. Parce que de côté, nous étions dans la salle des nouvelles là, nous n'avons pas vu sur ça qui t'a passé et devant radio. Donc, tout journaliste qui était dans la salle des nouvelles là, tout le monde a cherché un côté pour mettre Koyo. Et mon a couru dans toute direction, mais en fin de compte, pas de gagner direction pour que mon te prenne. Moi, ouais, des journalistes qui prennent des risques pour sauter de mur avec des barbelés parce que sous le coup de l'émotion, parce que pas qu'on est si mon yo capturé, si c'est pas un de radio a vini, yo pas contre qui ça y a vini fait, yo pas contre qui ça qui a passé par la suite. Donc, c'était vraiment une situation de sauve qui peut. Donc, tout journaliste t'a essayé de mettre Koyo en côté. Et Jean-Ronald Sodian, ouais, de journalistes qui est obligé de descendre, hein, pas qu'à dire descendre, mais qui traversaient des murs, qui gantaient à l'écaille des voisins là, à la mettre Koyo à l'abri, parce qu'il n'y a pas de connaître effectivement qui ça qui t'a pas passé et par la suite. Ah ouais, bon, on a dû stopper l'émission parce que pendant que Sorel Jacinthe a élaboré et puis nous t'a dit des détonations, et Charles de et lui-même rapidement et t'es campé émission hein, malgré nous t'es quitté micro, c'est-à-dire monde qui tape des radios attendait des détonations parce que micro était ouvert et Gary Pierre-Paul Charles était là sorti, il a regardé ça qui a passé, donc c'était vraiment la grande panique parce oui, que c'était gros détonation oui, ça de par contre qui ça qui a passé, est-ce que c'est des individus qui viennent envahir et espace Scoop FM non, donc et ça a duré des minutes hein, on a l'impression c'est ton éternité. Justement. Elles sont vraiment de très 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 longues minutes
ou te gen impression c'est éternité et ou pas connait effectivement qui ça gagne, est-ce que gen moun qui blessé, est-ce que gen moun qui mouri pendant un dedans ou pas connait qui ça t'a passé dehors. Ou pas connait si la police qui a tiré. Oui, mais le plus grave encore, ou pas connait si c'est pas des groupes armés qui t'investit. Ouais. La police ou a dit bon, la police est identifiée, etc., etc. Mm-hmm. Mais si c'est des groupes armés qui entrent, ou t'es qu'à entrer, ou faire n'importe bagarre, après ça, yo viré de eux aller. Et Dieu merci, n'ont pas enregistré des pertes en vie humaine. Nous pas ouais, enregistré du blessés. Côté de la radio ouais. Des blessés, mais nous gagnons des journalistes qui sous les chocs. Oui, ouais. Qui sous les chocs, parce que non seulement et agent PNH qui vient au point des âmes, mais gagne gagne pression tirée et sous tête yo gagne intimider l'ordre pour yo déplacer vraiment et c'est une situation de grande panique, vraiment de grande panique et qui affectait et nous capables de dire pour des jours ou pour des semaines encore les journalistes de Scoop FM et de Scoop TV. On a avec nous l'ancien député Ronald Etienne, actuel député, hein, député Ronald Etienne, hein, député Pestel, hein, député Ronald Etienne, et comment on même vit la situation, on est ensemble avec Guy Philippe. Oui, je suis dans la radio là, je suis un sénateur, et qui était dans une interview avec Gary et l'autre collègue Léo. En fait, quand nous étions obligés de participer dans toute émission, parce que nous avons des réunions avec le consortium là, pour nous Alchita, brasser l'idée. En fait, quand nous sortis, à peine sortis de l'Eura, sans par contre, j'étais monté machine moi-même. Et deux machines m'ont éteint, qui vient vite fumer, m'a assisté tout ça qu'a fait. M'a assisté une barbarie. Des mondes qui ont mouru.